Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Age of Z Origin. Ma précédente vidéo concernait essentiellement l'application App Gallery. Donc, petit rappel pour ceux qui ne le savent pas, App Gallery ce mois-ci fait une promotion. Bon, forcément, je parle d'argent, certains vont grincer des dents. Donc pour ceux qui sont intéressés pour gaspiller un peu d'argent, je vous invite à profiter de l'offre de App Gallery qui est 100% compatible avec le système Android. Il suffit juste de l'installer, de suivre tout ce qu'il y a à faire pour profiter de moins 80% via leur application. Donc, pour installer l'application, je vous invite à vous rapprocher de mon ancienne vidéo qui date de la semaine dernière. Mais pour ce soir, nous allons parler de Médicis et de ce fameux événement qui consiste à aller, grosso modo, dans son usine. De faire du nettoyage, et au fur et à mesure qu'on fait du nettoyage, grosso modo, on gagne des pièces qui permet d'obtenir à la fin des récompenses. Je vous passe le petit blabla habituel que vous connaissez, je pense, déjà par cœur depuis un bon mois que. D'ailleurs, ça fait 2 mois que ça y est. Désolé de ne pas l'avoir fait avant, j'ai eu quelques soucis de santé, mais ça va aller en s'en améliorant. Je vous rassure, ça n'a rien à voir avec le Covid-19. Enregistrer la formation. À partir de là, vous pouvez choisir la formation que vous souhaitez. Donc là, vous voyez, moi là-haut, je suis à. Faut tout refaire. Comme à chaque fois que je m'amuse à tout refaire. Moi, ce que je vous invite à faire, je ne sais pas si c'est forcément la meilleure, mais pour l'instant, j'ai trouvé que c'était plus ou moins la plus efficace, c'est de faire le même type d'attaque qu'on utilise pour le zombie élite. C'est-à-dire qu'on met un à tout ce petit monde. Je vous recommande de mettre quelques tanks en supplément en plus. Je sais que la dernière fois j'avais fait un bon score en mettant une centaine de tanks. Alors pour ceux qui me disent pourquoi les tanks au lieu de la déchiqueteuse, j'aurais tendance à vous répondre, ben regardez mes tanks qui sont niveau 9, eux ils sont niveau 8. Et puis quand on fait le ratio entre là ça vaut une machine vaut 10 unités, quand vous effectuez le rapport entre 10 et 5, ben, au final on s'aperçoit que c'est quasiment kiff-kiff. Donc au final les tanks c'est quand même je trouve les tanks un peu mieux quand on vraiment on cherche le petit détail. Nos chers zombies, vu qu'ils ne comptent pas dans le calcul, je vous invite à tout mettre à donf. Quant au reste, vous pouvez mettre un au suivant, sauf les tempestriers, car je vous rappelle que sur le zombie élite, ce n'était pas très efficace. En revanche, donc vous l'aurez compris, tous les zombies qu'on a effectués jusqu'à présent dans le zombie élite, c'est tous les zombies que du coup on traverse durant ce passage dans l'usine de Médicis. J'aimerais bien mettre mon laser au passage. Bon, là on n'est pas arrivé. Hop, on va mettre ça à fond et on va enlever et on va faire le tri de voir où il en manque. Et après,
Je validerai la séquence. Alors vous voyez souvent, il y a un petit... Quand on clique, il y a souvent un trou entre là où on a cliqué, là ça met 0. Vous cliquez un de plus, vous déduisez et ça le met comme il faut. C'est un petit bug qu'il y a dans le jeu. J'ai déjà fait remonter l'information au jeu comme quoi il y avait ce type d'erreur, donc ils sont au courant. Donc ce n'est pas la peine de renvoyer, ils le savent. Ah, je l'avais mis s'enlever. Voilà, et là je vais finir de remplir avec les snipers. Ben, ça tombe bien, on est pile pas au compte. Là on vérifie qu'entre-temps il n'y en ait pas qui ont disparu. On est tout bien, on a nos zombies, on a nos titans. Je profite, j'enregistre. Et je fais déploiement et c'est parti pour un tour. Donc là, en gros, ils nous font le petit schmilblick habituel. Et là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vous les laisser les caisses. Pour l'instant, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de trouver le zombie élite qui a un rapport avec l'étage, là où on est. Alors moi, ce que je vous recommande en premier lieu, c'est dès qu'il y a un bâtiment, vous profitez de l'effet du bâtiment, qui est important. Là, en l'occurrence, en sauvant le bâtiment, les blessés lors du combat dans l'étage diminuent de 30%. Donc, vous l'aurez compris, si d'entrée de jeu, ça vous diminue 30% pour chaque fois que vous vous battez, c'est quand même plus intéressant que de le faire une fois après. Donc, vous le faites d'entrée de jeu. Et vous continuez à le chercher. Car c'est lui le plus important. Le but, c'est d'économiser vos forces pour descendre le plus bas possible. Et surtout, ces éléments-là, cherchez-les, mais ne les prenez pas de suite. Vous ne les récupérez qu'à partir du moment où vous avez terminé l'étage. J'insiste bien sur ça. Vous allez vite comprendre pourquoi. Car une fois que vous aurez trouvé le zombie élite, c'est là où vous perdrez grosso modo le plus de troupes. Et ça vous permettra de vous soigner. Donc là, on est tombé, on l'a enfin trouvé, le boss de l'étage. Là, on est au premier niveau, donc c'est... On se pose même pas la question, c'est très facile à battre. Hein. Pour ceux qui veulent voir la petite bataille, je vous laisse que celle-ci. Les autres, on les passera. Voilà, lui c'est fait, le plus important est fait. Si vous voulez vous amuser maintenant à terminer tous les tâches, maintenant à partir de ce moment-là, vous pouvez le faire. Ce que je vous recommande en premier, c'est de récupérer le dé et de bien choisir ce que vous allez prendre. Je ne vous recommande pas de forcément de prendre le vert, ce qui est toujours le plus intéressant, c'est le bleu. Sauf si je dis des bêtises. On va quand même lire au cas où. Parce que souvent faut lire, des fois ça peut être plus intéressant de prendre d'autres couleurs. Augmente la quantité des pièces obtenues. Oui, ça pourrait être intéressant. Mais là, le but, c'est de se battre et de descendre le plus bas possible. Qui dit on descend plus bas, ça veut dire aussi qu'on récupérera des éléments plus intéressants. Donc là, PV au niveau des mêlées. On n'a pas forcément grand-chose, mis à part les tanks. Au milieu, il n'y a forcément pas grand-chose. Donc là, pour le coup, j'aurais tendance à vous dire ce qui est le plus intéressant, c'est de prendre du coup le bleu, parce que honnêtement, les tanks, ils sont juste là pour que les troupes de derrière, elles envoient la sauce, afin de tuer un maximum. Donc là, du coup, moi, ce que je vous recommande, c'est de prendre le bleu, où on récupérera davantage de pièces quand on tuera des zombies.
Et à partir de là, vous récupérez toutes les caisses, tout ce qui peut être important, sauf ce qui peut vous permettre de soigner. Donc, pour l'instant, sauf ça. Parce que du moment que vous aurez utilisé ça, si vous vous amusez à continuer les tâches, vous l'aurez compris. Si vous avez deux sous, vous continuez à tuer, c'est bête, vous partez pas à 100% de votre capacité. Tout en sachant que le système pour soigner a deux facteurs. Il a un facteur, c'est très bien, en plus on en a deux, alors il y en a souvent deux généralement à chaque étage, mais en général il y en a d'office un. Donc là, ce qu'on peut faire en premier lieu, donc vous le voyez, 20%. Là, ce que je vous recommande surtout, si on est au premier étage, on a perdu peu. Au deuxième étage, on ne perdra pas grand-chose. Ne soignez pas les 20%. Augmentez la quantité de votre flotte, c'est-à-dire que c'est l'ordinateur qui effectue un calcul et ça augmente la quantité de soldats de 5%. Et vous faites la même chose une seconde fois. Avant de le choisir, je vous montre le résultat là où on est. On est à 21,60,05. Car normalement, ça devrait bouger. Vous le voyez? Ça a augmenté. Au final, on a même augmenté le fait d'être soigné comparé à ce qu'on est parti au départ. Donc au final, sans avoir soigné, on devient déjà plus fort qu'au lieu d'avoir soigné les 20%, car au final, on serait servi de 20% pour soigner alors qu'il manquait que 3%. C'était un peu bête. Et là, on refait exactement la même chose. Alors, pourquoi chercher? Parce que dans certains niveaux, il y a un radar qui vous débloque entièrement l'étage. Ce radar est très important car il vous permettra d'entrée de jeu d'aller tuer le zombie élite de l'étage. Voilà, ici, allez, hop. Après, tu vas faire retour si t'es gentil. Vous voyez ici, on a des options. Là, pour l'instant, on n'a que le système de santé. Le système de santé, il vous met une flèche en par défaut là où il est efficace. C'est valable pour les seringues et les missiles. Quand vous les aurez, ça vous mettra les cibles sur lesquelles c'est efficace. Quand vous cliquez dessus, ça vous dit exactement ce que ça va faire. Aucun soldat ne sera blessé lors du prochain combat. C'est-à-dire que vous cliquez dessus, lors de ce combat-là, vous ne perdrez aucune personne que vous enverrez à ce combat-là. Donc là, on était à 21, bon, on va faire à 806. On va passer le combat pour histoire de gagner du temps. Et on est resté, vous le voyez, à 21, au 806 qui nous restait de tout à l'heure. Ce qui, au final, est quand même très rentable par rapport au reste, parce que du coup, on a encore des cases à terminer. Qu'est-ce qu'on nous propose? Charogne, augmente la quantité de pièces de 20% ou augmenter le PV des zombies. Ou défense milieu. Milieu, ça ne nous intéresse pas. En revanche, au niveau des zombies, on a quand même du monde. Je pense qu'augmenter le PV de 40%, ça ne sera pas négligeable pour la suite. Hein. Donc, vous pouvez le faire. Vous récupérez tout ce qui est intéressant.
débloquer. Bon, moi perso, j'ai de l'or, donc je le fais. Si vous n'avez pas d'or, bon, ben, c'est un peu embêtant, vous pouvez pas là, vous ne pouvez pas le faire. Alors, il y a un peu de tout, des fois il y a des dés, des fois il y a autre chose, donc là c'est intéressant. Attaque milieu, ça m'a, j'ai aucun intérêt. Attaque de troupes, augmente l'attaque des troupes hors troupes zombies de 20%, ou ça augmente l'attaque des titans. Ben, après, c'est à vous à faire ce que vous estimez le plus convenable. Un zombie, enfin un titan qui est ultra fort, qui augmentera son attaque de 50, ou alors 20% de votre population que c'est vous qui avez constitué. Honnêtement, je préfère mes titans à ça. Après, c'est un choix personnel. D'autres collègues me disent, ben, je préfère mettre sur mes troupes que sur les titans. C'est un avis personnel. Après, c'est vous pouvez faire les deux, ça, je pense que ça se vaut. Et maintenant, vous continuez à finir votre étage. Ah ben, j'ai cliqué dessus. L'armurerie. En sauvant le bâtiment, vos dégâts lors des combats dans cet étage augmentent. Eh quoi? J'ai pas dit l'inverse. En sauvant le bâtiment, vos dégâts lors des combats dans l'étage augmentent de 20%. C'est-à-dire que les dégâts que vous effectuerez sur vos sur les zombies seront 20% supplémentaires. C'est pareil, c'est le genre de bâtiment. Si vous le trouvez rapidement quand vous arrivez sur votre étage, faites-le de suite. Ça augmente votre force. Ça veut dire que vous êtes plus puissant pour les attaquer. Donc, si vous êtes plus puissant, vous consommerez donc moins de troupes lors des attaques. Là, c'est pareil, on n'en est qu'au deuxième étage. On n'a pas consommé tellement beaucoup d'unités comparé au départ quand on est arrivé. Augmentez-le encore de 5%. Ne le soignez pas pour l'instant. Parce qu'au final, là, vous le voyez, on a quasiment récupéré ce qu'on était au départ. Donc au final, on est quand même assez gagnant. Maintenant, on passe à l'étage suivant. Là, c'est reparti. Le but, c'est de trouver les bâtiments. Ah, c'est bien, on l'a trouvé de suite. Eh bien, on va essayer de le... Hop. On va profiter qu'on en a. On en a 4. Autant les utiliser et économiser. Je l'ai activé ou pas? J'ai eu un doute. Hop. Voilà. Alors quand ça vous valide l'attaque, comme ça, vous prenez pas la tête, vous avez gagné. Il y a le combat, s'il fonctionne pas, ça vous mettra de suite une rift en plein milieu. À partir de ce moment-là, vous saurez que vous n'avez pas gagné. Alors nous avons quoi? Nous avons du violet. Augmente la quantité de troupes de 15%. Et après, on a les mêlées. Ça ne nous intéresse pas. PV biochimique, on l'a déjà fait. Ça aurait pu être intéressant d'augmenter les PV. Mais je pense qu'on sera davantage gagnant pour le coup d'avoir 15% de troupes supplémentaires. Donc je prendrai celui-là. Donc là, vous le voyez. Quand on descendra dans les étages, ça devient de plus en plus intéressant, tout en sachant que là, on en a encore un qu'on peut utiliser, soit pour se soigner totalement, soit pour augmenter encore de 5%. Et là, du coup, c'est reparti. On regarde ce qu'il nous reste, un autre étage. Alors il y a un bâtiment ça, qui sert en soi pas grand-chose, c'est celui-ci. Si vous n'avez pas d'or à gaspiller parce que vous n'en avez déjà pas beaucoup, ne vous prenez pas la tête à acheter pour essayer de faire l'étage. Gardez votre or pour d'autres événements
et surtout pour pouvoir vous protéger, qui en tient, par exemple, les guerres du vide comme nous cette semaine. À la fin de la semaine, on aura une guerre du vide, donc c'est plus intéressant de garder l'or pour ce moment-là, pour se protéger. Donc là, on en arrive un peu, on va dire entre parenthèses, un peu au moment, on va dire entre parenthèses, un peu critique, à qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue d'augmenter le pourcentage ou est-ce que je soigne? Pour en avoir fait plusieurs, au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, je prends les 5%, parce que ça m'augmente la capacité principale de 5%, mais ça veut dire aussi que ça m'en soigne. Ça, vous l'avez remarqué. On va commencer à descendre dans les étages, ça va commencer à devenir de plus en plus dur. Là, je suis à 92, donc je suis à 8% de blessés. Cette fois-ci, par contre, je vais continuer aussi à faire 5%, parce qu'au final, avec les 5%, c'est comme si j'en soignais. En revanche, à l'étage suivant, je vais commencer à soigner. Parce qu'à partir de cet étage-là, ça va commencer à devenir très difficile parce que ce n'est pas les mêmes ennemis. Et là, le but, c'est vraiment de le trouver. Hop, il est là, c'est tant mieux. Moi, j'ai de la chance, j'ai de l'or. Donc j'en profite au passage, j'active ce que j'ai besoin. Attaque zombie biochimique, amélioration médicale. Diminue la quantité des blessés après le combat de 10%. Défense de distance 20%. Tout est intéressant en fait là. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir? Diminuer la quantité des blessés. Honnêtement, je pense que ça peut être très utile, surtout lors des combats, parce qu'au final, là, on va commencer vraiment à consommer. Augmenter l'attaque des zombies biochimiques de 40, ça permet d'en tuer plus, donc ça permettrait de consommer moins. Les zombies sont en première ligne, cette défense peut tuer davantage, parce que là, du coup, ça leur permet de tenir plus longtemps. Entre les trois, mon cœur balance. J'aurais tendance à dire je reste comme je suis au niveau des zombies, de la distance. Et je préfère économiser 10% sur le combat. Je pense que c'est quand même plus intéressant. Là, vous voyez, on est déjà à 11%. On va faire un premier test, voir si ça passe. Et si ça passe, je serai content. Oui, ça me l'a validé, tant mieux, comme ça au moins je ne consomme pas trop de troupes. Et je vais pouvoir continuer à faire mon étage. Alors, augmente la quantité de pièces précieuses obtenues par Interdit Zombie 20. Les millions s'en foutent. Défense des zombies biochimiques, 40%. Je pense qu'à ce stade-là, on va commencer à... Tant pis pour les pièces, le but c'est quand même de descendre dans les étages aussi. Car plus vous descendez dans les étages, plus vous pourrez continuer. Si vous êtes coincé à un étage, vous ne pouvez pas aller au-delà, ben, du coup ça vous fait moins. Même si dans un sens, quand vous êtes dans un étage, du coup ça vous fait 20 en plus. Décidément. Ah, celui-là, j'aurais bien aimé l'avoir avant. Donc là, vous voyez, on a déjà dépassé les 20%. Ça veut dire que là, quand on va soigner, les 20%, on les aura pas. En revanche,
Ce qui a été intelligent de notre part, c'est d'entrer au début, d'augmenter le pourcentage. C'est-à-dire quand on va passer, que là en fait on était déjà beaucoup plus bas, on va être surtout beaucoup plus haut pour les futurs étages. Là, je vous invite à soigner les 20% et à passer à l'étage suivant et à vous arrêter là. Car le but, c'est de descendre dans les étages quand même pour pouvoir ramasser ce qui nous intéresse. Ah oh ben au moins comme ça c'est fait. Ce que vous voyez là, on est passé de 97 à 93. Ça commence quand même à pas mal à consommer. En tant que vous pouvez cliquer, vous cliquez. Voilà, lui il est intéressant. Vous voyez? Alors que pour certains, on aurait d'entrée attaqué au tout début à tuer les zombies. Là, on gagne des trucs et en plus, on gagne en puissance contre les zombies, justement. Les petits missiles. Ouais, cool. Alors, les petits missiles, à quoi ils servent là? Ils vous servent à tuer un zombie de classe normale. Ça ne fonctionne pas sur les zombies élites, sinon ça serait trop facile, vous l'aurez compris, on passerait directement au statut. Soyez stratégique, essayez de voir celui qui peut être le plus intéressant. Lui là-bas, il en bloque 3. Lui, il bloque les 3 d'ici, lui, il bloque les 3 de là. Perso, je serais tenté de faire celui-là. Soit j'ai de la chance, soit j'ai pas de chance. Ah, déjà, j'ai récupéré ça m'intéresse. Et là, vous continuez. Ah, ben elle était là, la bébête. Alors, vous voyez, on est déjà au cinquième étage. J'ai déjà pas mal consommé. Si vous avez la trousse de secours pour éviter de consommer davantage, utilisez-le à ce moment-là. Vous saurez si vous avez besoin de vous soigner ou pas. C'est-à-dire que là, l'activant, quand vous cliquerez dessus, si vous avez les riffs qui apparaissent, ça veut dire que là, avec les 82% que j'ai, donc avec les 230 000 troupes, ça ne passe pas. C'est-à-dire que par contre, en soignant, je monterai à ma capacité maximale de 183 608. Là, par contre, il y aura de fortes chances que ça passe largement. Donc là, on sait que c'est passé. Donc c'est tant mieux. Et du coup, ça nous a permis d'économiser. Ah non, même pas, c'est là qu'on a eu la rifure. Je pensais que c'était avant dans mon mémoire. Donc là, vous voyez, c'est pas passé. L'avantage qu'il y a, c'est qu'on est resté à 18% à soigner. Là, vous pouvez soigner vos 20%. Là, vous êtes à fond. Là, vous voyez, il y a aussi un petit bouton. Si vous cliquez dessus, forcément, c'est si on a de l'argent. Pour soigner toutes les troupes blessées, bon alors pour l'instant ne l'utilisez pas. En revanche, ce qu'on peut faire pour éviter de perdre trop de troupes, parce qu'on ne sait pas si on aura d'autres trucs pour se soigner, vous réutilisez un pack et vous allez dedans. Accélérer pour savoir si ça passe. Et là, vous voyez, malheureusement, on est coincé à l'étage 5. Malgré qu'on ait 283 000 troupes, qu'on ait l'option d'étage de l'armurerie qui augmente 20%, vous me direz qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, pas grand-chose. À ce stade-là, en fait, on ne peut plus rien faire. Vous êtes totalement coincé, on ne peut pas aller plus loin. En revanche, la seule chose que vous pouvez continuer éventuellement à faire, du coup, c'est faire les petits zombies à côté qui vous permettront de gagner. Des éléments supplémentaires dans son usine. Donc là, vous voyez, je vous le montre, hein, comme ça, vous le verrez.
Quand on clique dessus, comme je vous disais, ça active l'option. Il n'y a pas la flèche dessus pour tirer dessus, donc les missiles, ça ne fonctionne pas. En revanche, si vous avez eu les seringues, augmente l'attaque de 50%. Je vous confirme d'ores et déjà, ça fonctionne sur tout type de zombies. La main, si vous arrivez à l'obtenir, généralement c'est dans le mode paiement. Ben ça, vous prenez, vous cliquez sur le boss et le problème il est réglé, il est plus là, vous passez au stade suivant. Donc là, vous avez deux solutions. Ça, vous faites bête et méchant, vous faites ça jusqu'à temps que ça se termine. Honnêtement, ça ne changera rien. Soit vous quittez tout simplement et de toute façon, ça vous en resterez au même point. Donc là, du coup, on va profiter de notre dernière bataille. Donc là, on le voit bien. Les quatre qui sont ici, c'est eux, grosso modo, qui me tuent au fur et à mesure. Elle est très très forte et surtout, elle tire à distance. Donc vous l'aurez compris. Pour ce genre de bestiole, il aurait fallu que j'aie davantage de troupes au niveau distance pour tuer davantage. Voilà. Donc après, je sais qu'il y en a qui arrivent à faire davantage d'étages. Après, vous dire exactement au jour d'aujourd'hui quel type de troupe exacte il faudrait, je ne suis pas trop sûr de tout ce qu'il faut. Je sais qu'en général, j'arrive au moins au niveau 6. Là, je suis arrivé au niveau 5, donc il se peut qu'ils aient un peu augmenté le niveau. Après, vous voyez, il y en a qui ont plus de chance, comme ma conjointe, qui joue aussi. Et elle, en revanche, elle est descendue au niveau 7. Et moi, vous voyez, je suis au niveau 30, je me suis arrêté au niveau 5. Donc elle a eu, je pense, beaucoup plus de chance que moi parce qu'elle suit mes conseils. Et elle est niveau 26. Donc vous voyez que en fonction de comment ils mettent les plateformes, enfin l'ordinateur en tout cas, ben, il y en a qui ont plus ou moins de chance. Après, si vous voulez, moi ça ne me dérange pas, je peux utiliser un peu d'or. On peut soigner, mais vous l'avez vu tout à l'heure. Même si on soigne, ça ne change rien. Donc, je rappelle ce que j'ai récupéré entre-temps. Augmentation de quantité de troupes de 15%, donc alliés. La défense des zombies devant. Le PV de nos zombies. La diminution de la quantité de blessés après chaque combat de 10%. C'est-à-dire qu'on récupère une partie des combats. Des combattants qui ont été blessés, on en récupère 10%. Augmentation des pièces récupérées. La force des titans. Et tout ça, c'est le reste, c'est en par défaut. Pour l'instant, ici, ça met aucun rang, c'est bizarre. Ah, ça y est, ça me l'a vu, ça me l'a actualisé. Donc, rang de la semaine. Donc, vous le voyez sur tous les mondes avec lesquels on est comptabilisé. Eh bien, je suis quand même 671e. Je pense que ma conjointe, je suis jalousement. Ben on va aller la chercher, tiens, on va rigoler. Voir si on la trouve. Je ne sais pas comment, si ça s'arrête. Si ça s'arrête à 100 ou avant. Ouais, ça s'arrête à 100. Les trois premiers joueurs du classement sont 119. Le deuxième au 120 et le troisième au 120. Oui, c'est ce que j'avais vu quand j'étais là. Donc voilà, actuellement, ben, les trois premiers, ce sont eux.
Après, à savoir forcément, plus on peut mettre de troupes dès le départ, plus on est fort. Donc après, ça dépend de comment vous avez géré tout le paramétrage derrière. Si vous êtes au même niveau que votre hall, si dans l'académie, au niveau des recherches, si vous avez poussé la totalité de tout ce qu'on pouvait mettre, on va aller vite fait dedans. Alors, je parle pour une ville d'attaque cette fois-ci, par contre, pas pour vos fermes, parce que pour les fermes, ça sert un peu à rien. T'as fait combien, ma chérie? Ah, ben j'étais 600 et quelques, et ma chérie me dit qu'elle est 536e. Donc vous le voyez, actuellement, j'ai pas encore tout mis à fond. C'est peut-être pour ça aussi que au niveau des distances, je galère encore un peu. Et lui, il me manque encore de l'acier pour aller faire joujou. Ah, viens là, toi. Après, pour augmenter la capacité, ça se passe dans le complexe d'équipement. Je le rappelle, c'est le réacteur. Et ça dépend de la couleur que vous choisissez. Actuellement, je suis au niveau 2 parce que je galère à récupérer les pièces qui m'intéressent. Mais si j'arrive à garder la couleur qui m'intéresse, c'est-à-dire le orange, j'aurai une augmentation de 5000 unités supplémentaires. Alors je le redis et je me répète et je l'ai dit déjà sur plein de vidéos. Arrêtez de vouloir mélanger les couleurs comme si on s'amusait à mettre plein de types de champignons histoire de dire que ça augmente le goût. Vous jouez avec le feu et souvent vous allez vous en mordre les doigts et vous brûler. Partez sur la couleur qui vous intéresse. Si vous commencez avec du violet, restez sur du violet. Si vous commencez sur du orange, restez sur du orange. Il suffit que ça vous marque, et ça me l'a fait aussi au tout début quand j'ai commencé. J'avais 40 sur du orange et j'avais 60 sur du violet. Non, c'est l'inverse. J'avais 40 sur du violet et 60 sur du orange. Quand ça a fait la patchak, et ben je me suis retrouvé avec du violet. Alors qu'il y avait marqué 40%. Je rappelle que c'est un pourcentage de chance. C'est l'ordinateur qui fait joujou. Donc, ne jouez pas avec le jeu. Donnez-vous tous les moyens de pouvoir réussir. Donc, sur ce, si cette vidéo vous a été très utile, j'en suis ravi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser des petits commentaires, je suis toujours preneur. Dès que j'ai le temps, je réponds. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Je vous rappelle que je suis également dispo sur le Discord qui est, de toute façon, c'est noté en dessous dans les détails de la vidéo. Le Discord du jeu et que au niveau de la France, pour les Français ou pour ceux qui parlent français aussi, nous avons une page qui a été créée par Edge of Z Origin pour ceux qui sont francophones. Elle est ici. Je vous invite à venir, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez m'écrire directement parce que vous avez des questions, ben moi je suis sur cette page-là, pareil, ce sera tout est écrit de toute façon dans le lien. Et puis voilà, et puis je vous dis à très bientôt, et surtout, portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye.